Bonjour, je suis Angela Jaber. Je vous accompagne à vous construire une activité pérenne, éthique et florissante, porteuse d'un vrai sens, qui vous permettra de vous démarquer face à la concurrence. Avant tout, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos de motivation. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour partager un peu de mon quotidien d'entrepreneur à Bali. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bonheur. Vous en donner ma propre vision. Selon la définition courante, le bonheur est un état de complète satisfaction. À mon sens, il y a autant de bonheurs différents que de personnes, tout simplement parce que les éléments que nous attachons à cette satisfaction dépendent des besoins, valeurs et spécificités de tout un chacun. D'après les études menées par différents psychologues, nous serions dotés de ce que l'on appelle un seuil de bonheur. C'est-à-dire que notre degré de sentiment de bien-être serait en fait préétabli par des critères héréditaires, donc le sentiment de bonheur de nos parents, et par notre construction émotionnelle. Ce degré de bonheur, bien que fluctuant selon les événements de la vie, reviendrait globalement toujours au même stade. Nous serions donc tout au long de notre vie toujours plus ou moins heureux de la même façon. Pour que cette notion de seuil de bonheur vous soit plus claire, je peux vous donner comme exemple la température du corps humain. Elle peut fluctuer selon les moments de la journée ou l'état de santé, mais la valeur de référence reste la même. Cette notion connaît heureusement une atténuation car nous serions capables d'élever ce seuil de bonheur selon les attitudes que nous adoptons au quotidien. Selon moi, le bonheur est en fait un état naturel qui se reconnaît et dont l'appropriation plénière dépend de notre perception des choses, de nos pensées et de notre capacité à nous situer uniquement dans l'instant présent. Les événements que nous vivons ne nous appartiennent pas et ne définissent pas qui nous sommes. Pourtant, nous avons tendance à les enraciner dans la matière en émettant des jugements qui les amplifient. Ces jugements sont par exemple le fait de considérer qu'une situation soit bonne, mauvaise, catastrophique, difficile, poser des mots, des cadres et des définitions. Le fait est que tout n'est qu'énergie, neutralité et que les notions de bien et de mal ne sont que des pures visions subjectives. La plupart des êtres oublient qu'ils possèdent une ressource mentale extrêmement puissante, celle de pouvoir rechercher les issues, au lieu de s'apesantir sur les difficultés. Si nous étions habitués à nous interroger systématiquement sur la manière dont nous pouvons faire évoluer une situation, au lieu de la juger pour ce qu'elle est maintenant, nous pourrions nous reconnecter à toutes les possibilités qui s'offrent à nous à chaque instant. Et plus personne ne dirait « je ne sais pas quoi faire ». Nous serions en fait dans un processus de création permanent. Par exemple, admettons que vous perdiez un emploi dans lequel vous ne vous sentiez pas très bien depuis quelque temps. Vous avez le choix entre vous attarder sur cette perte et donc nourrir votre mal-être, ou au contraire reconnaître que vous n'étiez pas épanoui dans cette configuration passée et rechercher quelles sont les ressources prioritaires à activer pour entrer dans une autre réalité quotidienne. Est-ce de rechercher immédiatement un autre poste ou de prendre un peu de temps pour vous afin de faire le point sur une possible réorientation ? Tout est transformable dès lors que l'on reste dans la conscience des moyens d'action que nous avons, ceci dépendant de notre capacité à diriger notre mental et notre énergie vers ce qui compte vraiment, là où les possibilités de rebond se situent. J'ai l'habitude de dire qu'il est inutile de se mettre dans des états impossibles pour une situation que l'on ne peut pas changer. Avez-vous déjà pensé à toute l'énergie que vous aviez perdue à ruminer, pleurer ou à vous plaindre sur des choses sur lesquelles vous n'aviez de toute manière aucune prise ? De tout le temps que vous avez investi dans des situations passées au lieu de vous concentrer, au lieu de mettre toute votre attention sur la construction de votre avenir ? La difficulté n'est en fait pas de lâcher prise, c'est de choisir de le faire. Prendre du recul, reconnaître qu'à un moment, il ne nous est pas possible d'agir sur notre réalité, c'est adopter une parade qui nous protège émotionnellement de trop grands débordements d'humeur, souvent inutiles. Nous avons tendance à essayer de contrôler même l'incontrôlable. Nous nous crispons sur des situations parce que nous refusons de les accepter pour ce qu'elles sont, tout simplement parce qu'il nous est souvent difficile d'admettre que c'est l'abandon du passé qui nous permet de construire le futur, de lui laisser sa place. Nous avons pourtant le choix de célébrer le départ de l'ancien et l'arrivée dans notre vie de ce qui n'y est pas encore. Célébrer ce que certains considèrent comme le vide, parce que c'est de cet espace de vacuité que peuvent naître les nouvelles possibilités. La nuit précède toujours le jour. La plus grosse erreur commise lorsque nous parlons du bonheur est de le concevoir comme un état à atteindre et qui dépend donc d'événements extérieurs à nous. Le bonheur est un acquis qu'il nous faut accepter de voir maintenant.
Souvent, nous ancrons de nous-mêmes dans nos pensées que nous ne sommes pas heureux. Nous prenons cette décision de manière inconsciente par la répétition de phrases limitantes et la focalisation de nos pensées sur ce que nous considérons comme étant déplaisant. Ainsi, nous ne profitons plus de ce que la vie nous donne au positif au quotidien parce que nous faisons dépendre notre perception du bonheur d'un élément purement hypothétique dont nous ne sommes même pas sûrs qu'il nous rendra réellement heureux. Nous remettons notre vie à plus tard. Nous nourrissons donc un schéma d'insatisfaction parce que bien souvent, lorsque nous finissons par obtenir ce qui, d'après nous, manquait à notre bonheur, nous trouvons un autre aspect, une autre chose qui nous manque et qui nous fait dire que nous ne sommes finalement toujours pas heureux. Le bonheur n'est pas une chose et ne se personnifie ni ne se matérialise. Le bonheur, c'est en fait de réussir à trouver l'équilibre en soi, avec toutes les parties de soi. C'est s'écouter, se respecter, apprécier et s'émerveiller des choses les plus simples comme un lever de soleil ou un moment partagé entre amis. C'est réussir malgré les difficultés quotidiennes à cultiver en soi la paix, la confiance, un peu comme un refuge intérieur qui nous permet de rester droit dans notre quotidien, centré sur soi. C'est savoir dire merci, cultiver la gratitude pour rester connecté à l'instant T et y déceler l'extraordinaire. C'est un peu comme être un enfant et accepter de considérer la vie comme un jeu grandeur nature. Et si nous arrêtions d'imaginer que nous serons plus heureux lorsque nous aurons plus d'argent, lorsqu'on aura rencontré le bon partenaire amoureux ou qu'on aura changé de travail, pour commencer à vivre maintenant? Le danger de la projection, c'est qu'en fait, elle est totalement illusoire. Elle entretient une tendance à refuser de vivre maintenant. Souhaiter que le bonheur se manifeste par un élément extérieur à soi, c'est mettre sa vie entre parenthèses, en attente. Il est toujours intéressant de se demander ce que l'on peut faire maintenant pour vivre ce à quoi on aspire. Par exemple, si vous aimeriez rencontrer quelqu'un pour partager des moments à deux, pour voyager, commencez par être ce partenaire pour vous et provoquez des moments de plaisir dans votre vie. Pourquoi est-ce qu'une personne vous apporterait une joie que vous ne vous accordez pas ? Plus on a une vision lucide des choses, de nos propres barrières intérieures, et plus on peut se permettre de manifester des choses complètement différentes au sein de nos vies. Et se dire que finalement, ce bonheur après lequel nous avons toujours couru était juste là, aide vraiment à trouver son équilibre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir plus clair. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos de motivation. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram afin de partager un peu avec moi mon quotidien d'entrepreneur à Bali. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver un lien en description de cette vidéo pour recevoir gratuitement un enregistrement qui vous permettra de dépasser vos peurs. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.